أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى nous allons tous les samedis après salat al-asr faire un petit dars, quelques mots inshallah en français, histoire de proposer aux francophones quelque chose. Vous savez que nous avons un cheikh, oustad, qui est venu du Maroc, qui va faire un dars tous les jours après salat al-asr, mais uniquement en arabe. Donc, inshallah, tous les samedis, on va essayer de nous entretenir quelques minutes autour de cette sourate que je viens de réciter, les débuts de versets. Sourate al-Hujurat, inshallah, pour essayer de comprendre, d'aller un peu dans les profondeurs de cette sourate et de tirer des leçons de cette sourate, inshallah, pour essayer d'en faire
en tout cas ces enseignements que nous allons tirer de cette sourate, d'en faire une sorte de guide et de faire en sorte que cette sourate reflète dans notre quotidien et dans nos relations. Pourquoi cette sourate? Parce que c'est une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée pour, en quelque sorte, régir les relations que doivent exister entre les gens pour qu'il y ait équilibre entre les gens et pour que tout se passe bien. On l'appelle souvent la sourate des comportements. C'est la sourate des bonnes attitudes. Sourate l'adab. Parce que c'est les attitudes qu'il faut avoir d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que croyant. Ils sont mentionnés. Ensuite, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y est mentionné aussi. Il y a aussi l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis des gens qui ont peu de moralité, hein, des gens qu'on pourrait appeler des pervers, al-fussaq, al-fasiq. Vous savez, un pervers, il peut être musulman, mais de par son comportement, il devient pervers. Et la perversité ne sort pas quelqu'un de l'islam, mais c'est une attitude, c'est un comportement qui est prohibé et qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime pas. Et donc quand on a affaire avec ces gens, ces genres de personnes, quelle attitude nous devons avoir? Mais dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala évoque aussi l'attitude que nous devons avoir quand il y a discorde entre les gens, les musulmans. Quand il y a malentendu, quand il y a incompréhension ou quand il y a même discorde, ça va jusqu'à dire quand il y a, si vous voulez, dispute, séparation, quelle attitude il faut avoir en tant que croyant. La sourate évoque aussi, ou en quelque sorte, la sourate ferme la porte à certains éléments qui sèment la zizanie au sein de la communauté, au sein des gens qui vivent ensemble. Donc c'est pour cela que c'est une sourate qui est très importante, elle est très intéressante, dans la mesure où si nous essayons de la mettre en pratique correctement, cette sourate, beaucoup de problèmes au sein de la communauté et beaucoup de problèmes au sein de la société dans laquelle nous vivons cesseraient. Beaucoup de problèmes auraient été évités si on appliquait, on vivait cette sourate comme ça se doit. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas révélé le Coran uniquement pour le lire, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. C'est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, ya Rasulallah, liyadabbaru ayatihi, pour qu'il médite et qu'il aille dans les profondeurs, les fonds de ces versets, et qu'il puise le sens de ces versets, et que ces versets leur permettent de s'améliorer et d'être meilleurs tous les jours. Donc ce n'est pas un livre qu'on doit lire uniquement, mais il doit nous servir de guide. Malheureusement, beaucoup de problèmes subsistent encore et se trouvent au sein de la communauté ou au sein des familles, entre des individus. C'est simplement parce que le Coran nous dit de faire une chose, et nous, dans notre pratique de tous les jours, dans notre attitude de tous les jours, on fait tout le contraire de ce que le Coran nous dit. Et pourtant, nous nous disons des musulmans et des croyants. Si c'est vrai que nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, eh bien, le Coran doit... Le contenu du Coran doit se refléter dans nos comportements de tous les jours. Ce n'est pas toujours le cas.
C'est pour cela qu'on va essayer de rappeler quelques éléments, inshallah, liés à cela. Cette sourate, elle est médinoise. Elle a été révélée à l'époque médinoise après l'Hégire. Donc c'est la sourate des comportements. Les attitudes qu'il faut avoir, donc je l'ai dit, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première partie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous verrons la semaine prochaine, certainement, la suite des comportements et des attitudes à avoir pour que tout se passe bien, pour que l'équilibre règne au sein de la communauté. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encore une fois, il nous dit dans le Coran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dans le Coran, il y a tout ce dont on a besoin. Le Coran touche tous les aspects de la vie de l'individu. Hein? Ce qu'on appelle la notion de globalité du Coran. Le Coran ne parle pas uniquement de la spiritualité. Il ne parle pas uniquement des adorations. Il ne parle pas uniquement des comportements. Mais c'est tous ces éléments. La spiritualité, les actes d'adoration, les comportements, la notion de santé. Le Coran nous parle être en bonne santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Coran nous en parle. Le Coran nous parle de la vie sociale, de la vie familiale, la vie privée. Le Coran nous parle de l'économie. Le Coran nous parle des sciences. Le Coran nous parle de tous les aspects de la vie. Ma farratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien omis dans ce livre. Il se peut que vous ne soyez pas capable d'extraire ce dont vous avez besoin du Coran, mais dans le Coran, il y a tout, ce qui justifie que, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran n'a cessé d'être à jour. Et il est valable à toute époque et pour toute civilisation, pour toute culture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasoolih » Ô vous qui avez cru, « Ya ayyuha alladhina amanu » Vous remarquerez que dans cette sourate, il y a beaucoup cette formule, cette appellation. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants, ceux qui portent la foi. Ya ayyuha alladhina amanu. Et quand, à chaque fois qu'on voit cette formule dans le Coran, nous devons être attentifs. Parce que directement ou indirectement, ce verset va nous concerner. Ya ayyuha alladhina amanu. C'est pour ça, Ibn Abbas radiallahu anhu, il disait, à chaque fois que vous entendez Ya ayyuha alladhina amanu, prêtez oreille. Parce que c'est deux choses l'une. Soit Allah va vous appeler vers quelque chose, il va vous ordonner quelque chose, ou alors il va vous défendre de faire quelque chose. Amrun ou nahyun. C'est un ordre que vous allez avoir à travers ce verset, ou alors c'est une restriction, c'est une interdiction que vous aurez. D'une manière ou d'une autre, à chaque fois qu'il y a « Ya ayyuha alladhina amanu », on est directement ou indirectement concerné. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez la foi, ô vous qui portez la foi, ne dévancez pas Allah et son messager. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasoolih. » D'abord, il est important de signaler que ce mot, ce verset-là, et particulièrement ce mot, en termes de qira'at, il a été révélé de deux manières. La tuqaddimu, et dans une autre version, dans une autre riwaya, la taqaddamu. La tuqaddimu, qira'atu al-jumhur. Kullu al-qurra' illa Ya'qub al-Basri. Ya'qub, la lecture de Ya'qub al-Basri, lui, c'est « Ya ayyuha alladhina amanu, la taqaddamu ». Quand on dit « la taqaddimu » et « la taqaddamu », ce n'est pas tout à fait pareil au niveau sens.
La tuqaddimu, c'est dans le sens ne faites pas quelque chose en dévançant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous mettez pas avant. La tuqaddimu, ne faites pas quelque chose avant de savoir le statut de cette chose dans l'islam. La taqaddamu, ne dévancez pas. La traduction française, elle est plus cohérente avec si on disait la taqaddamu. Ne dévancez pas. La tuqaddimu, ne faites pas quelque chose avant de savoir si cette chose, elle est légiférée, si cette chose, quel est le statut de cette chose dans la religion, dans le Coran et à partir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqullah, et craignez Allah. L'on nous dit dans les livres de tafsir, vous savez, beaucoup de versets, ce n'est pas le cas de tous les versets, beaucoup de versets ont une cause de révélation, ce qu'on appelle sababu an-nuzul. Sababu an-nuzul. Pourquoi ce verset a été révélé? Dans les livres, il est dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites, parmi lesquelles que ce verset a été révélé directement pour venir reprocher ou reprendre deux grandes personnalités de l'islam, Abu Bakr al-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum jami'an. Abu Bakr et Umar, ils ont eu un différend. Dans une version des Tafasir, on nous dit il y a un peuple, il y a une délégation qui était de la tribu de Ibn Tamim, qui était venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de les voir, ils ont été accueillis par Abu Bakr et Umar. Et dans cette délégation, il fallait désigner un porte-parole qui allait parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr en désigne un, Umar en désigne un autre. Ils ne sont pas d'accord sur la désignation du porte-parole. Chacun d'eux désigne un autre. Et le verset est venu dire, pourquoi vous prenez l'initiative de faire ça, Abu Bakr et Umar, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi vous? Pourquoi, c'est une manière de leur dire, pourquoi vous n'avez pas attendu l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne dévancez pas Allah dans vos prises de position. Ne dévancez pas Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version des tafasir, il est dit Abu Bakr et Umar, et ça on va retrouver ça dans les livres de tafsir, ils ont, vous savez, le sacrifice soit de Zabiha, le sacrifice du mouton, ils l'ont fait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'heure de le faire. C'est-à-dire, ils ont dévancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le temps qui est légiféré pour le faire. Et le verset est venu leur reprocher en quelque sorte, pourquoi vous l'avez fait avant le bon moment, ou pourquoi vous l'avez fait avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le fasse. Vous allez trouver ça, cette version de ce sabab aussi dans les livres de tafsir. Il y a une troisième cause qui est aussi évoquée dans les livres de tafsir en disant que Abu Bakr et Umar, à un moment donné, ils disaient, et si Allah révélait si Allah nous parlait de telle situation, et si Allah nous parlait de tel événement, et si Allah nous révélait une sourate ou un verset qui parlait de telle situation? Et le verset est venu leur dire, pourquoi vous voulez aller plus vite que, en fait, la révélation? Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. Ne dévancez pas. Quoi qu'il en soit, quel que soit le sabab, parce que nous allons trouver tous ces éléments dans les livres de tafsir, c'est une manière de nous parler à nous et de nous dire, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, que nous devons prendre une décision, nous devons prendre une initiative, nous devons nous poser la question de savoir quel est le statut de cette chose, de cette décision, l'impact de cette chose. Qu'est-ce que dit le Coran par rapport à cela?
qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna par rapport à cette chose-là. Et Allah nous dit, wattaqullah, craignez Allah. La crainte d'Allah a beaucoup de définitions. Et la meilleure, c'est celle qui dit, la taqwa, c'est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah et le châtiment d'Allah une barrière, une séparation. Tout ce qui peut mettre une séparation entre toi et la colère d'Allah, ça rentre dans le cadre de taqwa. Omar ibn al-Khattab, quand on lui a posé la question de savoir comment il définirait la crainte d'Allah, la piété, cette taqwa, il disait, si tu marches sur une route, un chemin qui est rempli d'épines, qui sont susceptibles de te blesser, tu vois comment tu marches, tu fais attention à là où tu vas mettre les pieds pour ne pas te faire mal, eh bien c'est ça taqwa. Tu dois avoir l'état d'esprit qui te dit, eh bien dans ma vie, dans tout ce que je vais faire, je fais attention et dans chaque initiative, dans chaque décision, je dois m'assurer que ce n'est pas quelque chose qui va mettre Allah en colère. Ce n'est pas quelque chose qui va m'exposer à la colère et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, at-taqwa. Et puis nous avons d'autres définitions de at-taqwa, mais wattaqullah et craignez Allah, inna Allaha sami'un alim. Et Allah subhanahu wa ta'ala est audient, il entend tout ce que nous disons et omniscient, il sait tout ce que cachent nos cœurs. Allah sami'un, il entend tout ce que vous dites, tout ce que nous disons, quelle que soit la manière et la forme. Alimun, et il sait tout ce que nous cachons, tout ce que nous voulons dire, nous avons envie de dire et que nous ne l'avons pas dit. Allah subhanahu wa ta'ala le sait déjà. Ensuite, ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ce verset, c'est la suite du premier. Ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un comportement à avoir, particulièrement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça concernait les premiers musulmans, les sahaba qui vivaient avec lui à son époque, mais ça nous concerne nous aussi. Quand on nous dit il ne faut pas élever sa voix, c'est une manière de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas comme quelqu'un d'autre. Ne levez pas vos voix. Quand vous parlez au prophète, que votre voix soit plus douce et basse que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous ne parlez pas avec lui, vous parlez entre vous, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites en sorte que votre voix soit respectueuse et qu'elle ne soit pas élevée. Vous savez, le fait d'élever la voix est un signe de non-respect, de manque de respect vis-à-vis des personnalités ou des individualités, des personnalités qui sont importantes. Quand on est en face de nos parents, nous devons faire en sorte que la voix, elle ne soit pas élevée, plus élevée que la voix de nos parents. Quand on est en face de celui qui nous enseigne, le professeur ou l'enseignant ou ainsi de suite, en tout cas, toute personne envers qui nous devons avoir, faire preuve de respect, eh bien ça fait partie des bonnes règles et des bons comportements à avoir. Et pourquoi ce verset-là aussi a été révélé? C'est la suite du premier verset. Il a été dit, là aussi dans les livres de tafsir, que lorsque Abu Bakr radiallahu anhu et Umar radiallahu anhu, ils se sont disputés sur la désignation du porte-parole, ils ont haussé un peu la voix. En fait, la voix, leur voix était élevée, de sorte que tous ceux qui étaient là les avaient entendus. Et le verset est venu, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Comment on pourrait voir et interpréter ce verset différemment? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous physiquement, mais il est là, moralement, parmi nous. Quand on parle de lui, la réception qu'on doit avoir
Et l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le respect doit y être. Et quand on parle encore, on évoque les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque ce sont ses paroles, hein, les hadiths qui sont authentiques, c'est ses paroles, c'est ses mots. Mot par mot, eh bien, nous devons avoir une attitude qui dit qu'il n'est pas là physiquement, mais il est là psychologiquement, moralement, de par les enseignements qu'il nous a enseignés à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand on évoque les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons faire preuve d'humilité, nous devons faire preuve de sérénité et surtout de tranquillité en présence des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Et quand vous discutez, vous parlez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez conscience que c'est vous avez en face de vous la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure créature, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, on tient en compte de l'interlocuteur qu'on a quant aux mots qu'on utilise et la manière dont on va utiliser ces mots. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. Quand tu parles avec ton ami, quand tu parles avec ton frère, ta sœur, et ainsi de suite, et quand tu parles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas les mêmes personnalités, ce n'est pas les mêmes individualités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quand vous vous adressez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne vous adressez pas à lui comme si vous vous adressiez à n'importe quel autre individu. Ne faites pas ça, parce que si vous le faites, vous risquez de perdre les hasanat, la récompense de vos bonnes œuvres. En faisant cela, vous risquez de voir la récompense de vos bonnes actions s'effondrer. En faisant cela, alors que vous ne faites pas attention, vous ne vous rendez même pas compte du danger que vous êtes en train de faire, alors que c'est en train de démolir et d'anéantir les bonnes actions que vous êtes en train de faire à côté. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اي الله سبحانه وتعالى fait l'éloge de ceux qui vont bien se comporter physiquement oralement et mentalement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque qu'est-ce qui va être leur récompense. Ceux qui vont se montrer humbles, respectueux vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ce sont eux-mêmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les cœurs par la piété. Et là, c'est la suite encore des deux premiers versets, puisque quand les deux premiers versets ont été révélés, Abu Bakr et Umar se sont rendus compte qu'ils sont les sujets directs de ces versets, et depuis là, ils ont pris la bonne résolution, ils ont juré qu'ils ne vont plus élever, leur voix ne sera plus au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ne vont plus s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils le feraient entre eux ou à quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala vient relever cette bonne attitude, cette rectification qu'ils ont eue, et c'est cela que doit être l'état d'esprit, parce que chacun de nous peut faire des erreurs, commettre des erreurs. Nul n'est parfait. Nul n'est exempté de commettre des erreurs. Mais les croyants raisonnables, ce sont ceux, quand ils commettent des erreurs, « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ » Quand ils commettent des erreurs, des excès, des fautes, ils se rappellent, et surtout quand on leur fait savoir que cela est une erreur, ils ne sont pas dans l'orgueil. Qui tu es pour me rappeler ça? Qui tu es pour me dire ça? Qu'est-ce que tu as à me dire?
Ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils se rectifient, ils se corrigent rapidement. C'est ce qui a été l'attitude des grands compagnons, en l'occurrence Abu Bakr et Omar. Et Allah subhanahu wa ta'ala est venu relever cette bonne résolution et ce bon comportement en disant que ceux qui se sont comportés de la sorte, ce sont eux qu'Allah a éprouvé les cœurs par la piété. « Imtahana Allahu qulubahum littaqwa » et il les promet quoi ?« Lahum maghfiratun » Ils auront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les erreurs, les fautes qu'ils ont eu à faire. Et ils auront une récompense grandiose et énorme en ayant pris ces résolutions. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Allah, là dans ce verset, parle de ceux, justement de cette délégation au sujet de laquelle il y a eu ce désaccord entre Abu Bakr et Omar, qui a fait que des versets ont été révélés. Cette délégation, parmi eux, quand ils sont arrivés, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'appelaient de loin. Ils l'appelaient de loin et depuis l'extérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si quelqu'un venait à l'extérieur, il veut appeler un cheikh ici ou l'imam, de là-bas il l'appelle par son prénom. Vous savez, dans l'attitude, dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien, tu as cette attitude vis-à-vis de quelqu'un, c'est ton ami ou de ton, en tout cas de ton inférieur. Mais ton supérieur, cela ne rentre pas dans le cadre des bons caractères ou du bon comportement. Et ces gens-là, parmi eux, il y en avait qui s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, de loin. « Ya Muhammad !» Il l'appelait de loin, depuis l'extérieur. Et Allah est venu leur dire que ce comportement ne convient pas vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ceux qui s'adressent à toi, ceux qui t'appellent à haute voix de derrière, c'est-à-dire de l'extérieur de ta maison ou de tes appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. أكثرهم لا يعقلون. Ils ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas, parce que s'ils réfléchiraient, ils raisonneraient, ils se rendraient compte que ce n'est pas un comportement à avoir vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un comportement à avoir en général vis-à-vis de toute personne envers qui nous devons avoir du respect. Quand on veut appeler quelqu'un, que l'on respecte, que l'on doit respecter, il ne faut pas l'appeler de loin. Il faut se rapprocher de lui et l'appeler et à voix basse. Inna ceux, justement, la cause de ce sabab de ce verset, justement, c'est Wafd ibn Tamim, justement, c'est parmi eux, il y en avait qui avaient fait ce comportement et Allah subhanahu wa ta'ala les a reprochés ou les a réprimandés et il leur donne la manière de faire. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Et s'ils avaient attendu et s'ils avaient patienté et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ils restent patients, ils attendent jusqu'à ce que tu sortes, ya Rasulallah, de là où tu es, de tes appartements, et venir vers eux, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, cela serait certes mieux pour eux. Et il est dit dans les livres de tafsir, ils étaient venus pour demander service au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à il y a certains qui disent que c'est lors d'une des expéditions, d'une des batailles, les musulmans avaient pris pour prisonniers certains des leurs. Et donc ces derniers étaient venus pour demander une doléance, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accorder liberté à ces gens. Et d'autres disaient que c'était justement par rapport au butin. Tous ces éléments, toutes ces paroles, vous allez les retrouver dans des livres de tafsir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les livres de tafsir, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti et avait répondu favorablement, mais à moitié à leur demande. Il ne les a pas refoulés.
il avait répondu favorablement, mais à moitié, il ne leur a pas donné tout ce qu'ils avaient demandé. Et Allah nous dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. Et s'ils avaient attendu jusqu'à ce que le prophète vienne vers eux, et après ils le parlent, ils auraient peut-être obtenu un résultat encore plus favorable à 100% que ce qu'ils espéraient. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Ça serait mieux pour eux dans leur demande, dans le résultat de leur demande, mais aussi et surtout, ça aurait été mieux pour eux sur le rapport et l'attitude qu'ils ont vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette première partie de la sourate, elle parle spécialement de l'attitude que nous devons avoir en tant que croyants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Qur'an et des enseignements d'Allah tirés du Qur'an, mais aussi et surtout vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aujourd'hui, ce qui nous concerne directement, c'est la personne du prophète, le fait de l'aimer, le fait de le respecter et le fait de surtout d'apprendre ce message qu'il nous a transmis et de le vivre surtout. Et quand on évoque justement ce message, ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soyons pas insensibles. Vous vous rappelez, il y a un hadith qui dit le lavar, al-bakhilu, lavar, c'est celui dont, c'est celui que quand je suis évoqué devant lui, il fait pas des invocations, il ne prie pas sur moi. L'avare, le vrai avare, c'est celui quand il entend le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est pas sensible, il ne réagit pas. La moindre des choses, c'est de se dire, la meilleure des créatures a été évoquée, je dois faire salatu alayhi, sallallahu alayhi wa ala, sallallahu alayhi wa sallallahu wa sallam alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute et lui élève encore un degré, et puis de recevoir ces hadiths et ces paroles qui sont celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas comme n'importe quelle parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre sérieusement ces enseignements et de les mettre en pratique. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et la semaine prochaine nous continuons avec la suite des versets qui vont nous enseigner l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de certaines personnes qui ont une moralité réduite, qui ont une éthique réduite et qui ont des comportements parfois qui sont du genre à semer de la zizanie au sein de la communauté. Quelle attitude devrons-nous avoir? Et ce sera la semaine prochaine, inshallah. Allahumma faqihna fi dinina. Allahumma faqihna fi dinina. Allahumma allimna ma yanfa'una. Unfa'na bima allamtana. Uzidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Woo!